J'ai dit, je me suis dit, je dors dehors. Et pendant ces 2 nuits que j'ai passé dehors, crois-moi que j'ai réfléchi, je me suis dit, putain. Comment tu peux t'habituer à avoir l'argent? Comment ça t'habituer à avoir l'argent? Bah, il faut, en fait, et on rejoint, parce que, ouais. Parce que Tori et moi, on a le même mentor. C'est d'être dans un environnement où il y a de l'argent, en fait. Voilà. Tout simplement. C'est-à-dire, c'est de t'entourer de personnes. Je donne juste un exemple. À hein, succès. Moi, à ouais. succès. Ouais. Mais même pour. Bah, personne à succès, oui, effectivement. Mmh. C'est-à-dire de côtoyer des personnes qui. Sont. Qui, quelqu'un qui est entouré de, des personnes successful qui ont de l'argent, etc. Mais même quelqu'un qui veut démarrer. Donc, je pense, prends un exemple, par exemple, du jeune qui nous écoute. Rien que le fait d'aller dans. Des fois. Tu sais, c'est des fois même d'aller dans un environnement où il y a de l'argent. Genre, tu vas dans un 5 étoiles, tu sais, même si tu n'as pas d'argent, tu t'achètes un café, ouais. Tu regardes les personnes ouais. qui sont dans cet environnement-là. Tellement vrai. Tu vois, et c'est-à-dire, c'est que mentalement, tu vas te dire, ah, moi également, je veux être dans. Je veux être comme ça. Et ça rejoint la logique de Bidou. Ah, c'est-à-dire, c'est que le plus tu vas. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. C'est-à-dire, c'est que le plus tu vas côtoyer des environnements où il y a de l'argent, tu vas commencer à être. Enfin, à penser comme la personne qui a de l'argent. Donc, à mener les actions qui vont te mener à avoir de l'argent et à avoir de l'argent finalement. Absolument. Pense comme un millionnaire et tu attires les millionnaires. Et je confirme. Je vais te dire quelque chose. Là, je vais vous parler à cœur ouvert. Okay. Moi, là, toutes les personnes qui sont autour de moi, c'est des personnes qui win et qui font de l'argent. Pourquoi? Parce que j'attire ces personnes-là. Mm-hmm. Je ne fais pas exprès. Partout où je vais, j'étais en lune de miel. J'étais à Dubaï et j'ai rencontré des personnes qui sont venus à moi et qui veulent faire du business avec moi parce qu'ils ont de l'argent. Pareil ici. Pourquoi? Parce que j'attire ces personnes. Mais comment tu attires ces personnes? Ça passe déjà par la mentalité, mm-hmm. mais c'est aussi comme Florian dit, quand tu t'entoures des personnes qui font des bonnes choses, comme il dit Florian, les winners, bah c'est sûr que tu vas attirer ça. C'est la loi d'attraction. Clairement. Mais si tu es dans un environnement toxique, puis tu es avec des personnes qui n'ont pas de vision, puis qui ne font pas de l'argent, qui n'ont pas l'habitude de l'argent, comment tu ne veux pas avoir peur de l'argent? Quand tu as l'habitude d'être avec des personnes qui font du cash, qui ont de l'argent, qui parlent d'argent aussi. Ça devient normal. Donc, en fait, ce que vous dites, guys, c'est que, et je m'adresse spécialement à la jeune gente, là, les gens qui ont 20 ans, qui ont peut-être là, en bas de la trentaine qui nous écoutent, c'est que si tu te tiens avec des gens qui boivent des bières seulement, ou bien qui sont dans les clubs à tous les week-ends, ou bien encore qui flambent de l'argent pour faire « ouais », comme on dit en créole, donc pour faire voir aux autres, eh bien, on attire ce genre de personnes-là. Mais si, au contraire, on essaie de s'entourer avec des personnes qui ont de l'argent, c'est une façon d'attirer de l'argent. Mais Tori, excuse-moi aussi, il faut faire attention. Hein. Il faut bien parler, surtout à nos communautés. Parce que des fois, il y a... On aime les belles choses. Hein. On aime quand même cette mentalité, cette culture d'argent et tout ça est vraiment extraordinaire. Puis je comprends vraiment ce que j'abonde avec Anthony parce que vraiment mon cercle d'amis, il va être composé de gens qui vont penser comme moi. Ça, c'est vrai, qui vont être visionnaires. Si t'as pas de vision, je peux pas te parler parce que je suis née entrepreneur. Cependant, tu viens de dire quelque chose de très important. Des fois, les jeunes veulent faire l'argent trop vite. OK? Ils veulent y aller trop vite et ils vont de manière frauduleuse. Les gens qui sont à cette table font de l'argent de manière propre. Il faut que le jeune ou la personne qui n'est pas encore expérimentée, si on est dans un podcast éducationnel, il faut comprendre que aussi ici, c'est des gens qui sont là pour vous éduquer. Il faut que les gens comprennent parce qu'il faut le faire correctement parce qu'on a ce pourcentage aussi des gens qui le font d'une manière non propre et pensent que c'est correct et sont confortables dedans. Bad money will get back to you. Mais Rose, c'est pas seulement dans l'illégalité, il faut se le dire, mais je vais donner un bon exemple. Nous, dans les 2 dernières années, on a vécu la richesse dans l'immobilier. Les gens me disent toujours, Nick, tu es devenu riche dans l'immobilier dans les 2 dernières années? Je dis non, ça fait 16 ans que je fais de l'immobilier et j'ai toujours fait l'argent dans l'immobilier. Je vais pas donner mes chiffres. Mais qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que tu as dit un point qui est important parce que les gens cherchent la facilité. Oui. J'ai beaucoup de monde qui sont venus me voir puis ils nous ont dit, Nick, j'aimerais ça prendre le cours de courtier immobilier parce que je veux faire de l'argent. Wrong answer. C'est la mauvaise raison. Parce que vous venez de faire l'immobilier, mais tu n'as pas la capacité d'être courtier immobilier. Clairement. Et y a même, moi, je vais rajouter quelque chose. Il y a des personnes, qui ne méritent même pas d'avoir l'argent. C'est vrai. Il faut dire les choses. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'avoir d'argent. Mais c'est vrai. Est-ce que t'es prêt à être sans sommeil? Est-ce que t'es prêt? Mais c'est ça. C'est que tu mérites pas. Il y a des personnes qui méritent pas.
Il y a des personnes qui ne méritent pas. What you see is the result, but what's behind it? Et c'est pour ça qu'en fait, si vous regardez l'évolution des choses, l'écart se creuse. Les gens sont de plus en plus riches et les gens sont de plus en plus pauvres. Donc ce qui est au milieu là, ça disparaît. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne méritent pas. Et pour mériter, il faut être prêt. Il faut être prêt de tout. C'est-à-dire, il faut être armé jusqu'aux dents, en fait. Psychologiquement, mentalement, physiquement, émotionnellement, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne méritent pas. Et c'est pour ça que tu vas de. C'est comme il disait, tu vas de. Il y a des artistes, j'en connais plein. Contrat 1 million de dollars, un an après, il est sous le pont. Ouais, c'est pourquoi ça. Parce qu'il n'est pas prêt. Il ne méritait pas d'avoir cet argent-là. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé à travers le processus. Il y a un processus à suivre. Il y a un processus à suivre. On a un dénominateur commun ici. Ouais. Tout le monde a dit... On parle de crédit aujourd'hui. Ouais. Tout le monde a dit que vous avez passé par un problème de crédit pour atteindre la compréhension du crédit. Ouais, un processus à suivre. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on dit... Moi, par exemple, je prends... Plus jeune, moi, je prends par exemple l'exemple de mes parents. On a déménagé dans des maisons, il n'y a même pas de peinture sur le mur. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a dû faire des sacrifices. Mais tu en as certains qui vont te dire, non, moi, je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice. Voilà. Tu en as d'autres qui vont... Moi, j'ai déjà dormi dans des gares de RER à Paris. J'ai dormi dehors. C'est-à-dire, mais je savais pourquoi je faisais... Tu vois, ça fait partie du processus, tu vois. Donc, j'avais le choix entre me dire, OK, je dors chez mon ami ou je dors dehors. Je dors dehors. Et pendant ces deux nuits que j'ai passées dehors, crois-moi que j'ai réfléchi, je me suis dit, putain, je dois tout faire pour ne plus me retrouver dans cette situation. Et c'est là, dans le mal-être, que tu commences à réfléchir à des solutions qui vont t'amener là où tu veux être. Quelqu'un aurait pu me dire, voilà, 1000 euros, va te payer un loyer. Ça aurait été trop facile. Je n'aurais pas eu les idées que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je dis que les gens ne sont pas prêts. Il y a des personnes qui ne méritent pas d'avoir d'argent. Et je pense notamment à certains artistes, à certains sportifs. La preuve, plus de 80% des artistes ou des sportifs, tu leur donnes des millions, ils se retrouvent à brûler des frites. Non, c'est qu'il y a un problème, ils ne sont pas prêts. C'est tout.